Salut les filles Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour de nouvelles vidéos en fait que je vais faire sur ma chaîne. Voilà, je vous fais des favoris tous les mois, je vous fais des produits finis, voir si je rachète ou si je rachète pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de produits que j'utilise pendant très longtemps et du coup je ne vous en parle pas parce que je mets très longtemps à les utiliser comme des sérums, des toniques ou vraiment là il me faut bien 4-5 mois et je trouve que c'est sympa du coup de vous en parler en cours d'utilisation. Donc je vous ferai certainement une vidéo, quand j'achète des produits, je vous fais les vidéos des produits que j'ai achetés, donc vous voyez ce que j'ai acheté en cours d'utilisation pour vous montrer si j'aime ou si j'aime pas et pour voir si ça a changé à la fin dans mes produits finis. Donc comme ça je pense que ça permet une évolution de voir au milieu de l'utilisation ou au début de l'utilisation ce que ça donnait, si je les aimais ou pas et voir au final parce que des fois il y a des produits qu'on déteste au début et qu'on aime beaucoup à la fin. Donc voilà, je trouvais ça vraiment pas mal de vous faire ça et voir les produits que j'utilise au quotidien. Donc voilà, c'est parti, il y en a vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer ça. Alors, un produit en cours de l'utilisation, j'ai le gel, le gommage douceur pour les peaux sensibles en fait, de la marque Yves Rocher pour le visage. Donc ça se présente comme ça, c'est à la camomille bio. Donc je le trouve vraiment pas mal ce gommage là mais je trouve qu'il n'a pas assez de grains. Je trouve que c'est pas assez puissant donc je pense que la prochaine fois quand j'en rachèterai je prendrai un qui a beaucoup plus de grains. Mais voilà je suis... il m'en reste plus beaucoup hein. Mais voilà je trouve qu'il n'a pas assez de grains. Après ça se trouve quand je vais en racheter un qui a plus de grains je trouvais qu'il y a trop de grains. Donc voilà pour le moment mais il n'a pas une odeur désagréable, il fait bien son job donc voilà. C'est très bien. Donc ensuite, on a un produit de la marque Himalaya. C'est Himalaya Herbals. Voilà, c'est un petit baume pour les lèvres. J'ai testé vraiment, vraiment beaucoup de baume pour les lèvres. Et celui-ci, je le trouve vraiment, vraiment pas mal. Je l'avais acheté à Noz, il me semble, en plus. Je ne l'avais vraiment pas payé cher. Alors, il sent un peu une odeur de bonbons chimiques. Il sent vraiment, voilà, c'est pas une odeur qui sent hyper bon. Mais par contre ce truc là il reste vraiment, je le mets le soir avant d'aller me coucher pour hydrater mes lèvres et je me réveille le matin j'en ai encore donc c'est pour vous dire qu'il tient vraiment très 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 bien et je trouve qu'il fait vraiment beaucoup de bien à mes lèvres donc voilà, ça m'a coûté vraiment pas cher, je connaissais pas la marque et du coup je suis vraiment hyper contente. Donc voilà pour ce petit baume pour l'instant qui me plaît beaucoup. Ensuite... je vais vous présenter un petit parfum que j'utilise depuis peu. C'est un parfum que j'ai acheté sur Beauté Privée. Donc c'est de la marque Pascal Morabito. Là j'ai encore le petit truc dessus, je suis désolée. Et il s'appelle Purple Ruby. Donc j'ai dû le payer 27 euros. Et il fait 95 ml. C'est de l'eau de parfum. Donc il se présente comme ceci. Donc là il a un petit bouchon en bois. Et il est de couleur un peu framboise. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il a des petits rubis en fait. C'est à ça que ça doit faire penser. Donc je le trouve vraiment très joli déjà. Je crois qu'à la base il devait coûter 70 euros. Donc j'aurais jamais acheté ce parfum 70 euros. Mais je voulais le tester parce que j'avais entendu pas mal de bien sur les parfums de la marque Pascal Morabito. Donc je me suis dit je vais tenter. C'est un parfum qui tient vraiment très très fort quoi, il est vraiment, il tient très très longtemps et il sent vraiment, il sent les fruits mais je sais pas si ça serait pas une odeur, j'ai testé plusieurs fois, ça reste vraiment beaucoup donc les gens autour de vous vous disent ton parfum sent vraiment très très bon donc c'est vrai il sent très très bon mais pour moi je le trouve un peu trop sucré et du coup toute la journée... une journée ça va, à la fin de la journée je m'en lasse un peu. Mais c'est vrai que quand je le sens comme ça, il sent vraiment très très bon. Donc voilà, je vous mettrai à la limite un lien. Je crois que, enfin je suis même sûre, je me suis renseignée avant. Il est fabriqué sur Paris. C'est quelqu'un qui fait aussi des meubles il me semble. Et voilà, il y a plusieurs parfums de cette marque là sur Beauté Privée. Donc quand j'ai voulu avoir des commentaires, ça a été très très compliqué, enfin des avis, c'était très très compliqué d'en avoir.
Donc voilà, je me suis dit, je vais tester comme ça donnera peut-être un avis en plus sur internet. Mais franchement, ils sont vraiment très très bons. Il fait un peu penser au parfum Clin d'œil, je sais pas. C'est un parfum. Je connais déjà cette odeur. Par contre, ça n'a vraiment pas une odeur chimique. Il y a de la fraise dedans, il me semble. Donc déjà, vous voyez un peu ce que ça donne. Et c'est vraiment pas une odeur chimique. Ça sent vraiment les vrais fruits, quoi. C'est vrai que c'est sucré, mais à côté de ça, bah c'est vraiment, y a vraiment des, ça sent vraiment les vrais fruits. Ça sent pas le chimique. Donc, il sent vraiment très très bon pour ceux qui aiment les odeurs sucrées. Franchement, il est fait pour vous parce que voilà, il est parfait, il est bien sucré et il tient. Franchement, moi j'en avais mis la journée. J'en ai mis sur ma main pour voir ce que ça donnait toute la journée. Je l'ai laissé la journée et le lendemain matin, je sentais encore ce parfum. Donc, pour vous dire que franchement, il tient vraiment très très bien et je le sens d'ici même quand j'ouvre pas la bouteille. Donc voilà, je crois, oui, 27 euros. Donc, je trouve que ça valait le coup. Ensuite, on va prendre celui-ci. Donc, c'est un gel douche de la marque The Body Shop. Donc, c'est à la cranberry, je crois. Cranberry. Donc, voilà, c'était une édition de Noël. Je suis en train de l'utiliser en ce moment et mon copain aussi. Donc, il baisse assez vite. Et il sent vraiment très très bon. Il sent vraiment très très bon. Je trouve que c'est un peu une odeur acidulée quand même. Donc non, il me plaît vraiment pas mal. Mais vous voyez, il descend hyper vite. Je crois qu'on l'a ouvert hier. Mon copain adore mettre la dose. Donc voilà, moi j'ai les petites. Ah d'ailleurs, je l'ai pas mis dans mes produits finis. J'ai les éponges Conjac que j'utilise tout le temps. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup avec les éponges Conjac. Si vraiment. Si vous voulez que je vous fasse une revue là-dessus, dites-le moi. Mais c'est vraiment les éponges Conjac, j'en ai une pour le visage, une pour le corps. Et c'est vraiment des produits très très bien parce que déjà vous n'utilisez pas beaucoup de gel douche et voilà, ça mousse très très bien. Et voilà, moi ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est très agréable à utiliser en plus. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit produit-là. Pour l'instant, je l'aime bien. Ensuite, ce que j'avais acheté à Noz avant qu'on en parle partout sur YouTube, et c'est pour ça du coup que j'avais hésité à vous en parler, mais voilà, maintenant, vu qu'on est dans ces produits, dans les produits en cours, voilà, c'est l'après-shampoing. J'avais acheté le shampoing aussi, et il me semble que oui, j'ai l'huile qui est là. Donc voilà, de la marque Macadamia. Donc, ça devait m'arriver. Donc là, j'ai l'après-shampoing qui sent vraiment très très bon et vous allez pouvoir voir la texture. C'est vraiment assez épais. Il sent vraiment très très bon et vraiment il vous rend les cheveux doux. Et je crois que j'avais dû payer 1 euro donc voilà, c'est vraiment parfait. Moi il me convient très bien et il alourdit pas les cheveux, c'est surtout ça. Parce que moi avec les cheveux fins que j'ai, s'il me les alourdit, ça sert à rien. L'huile, je l'aime bien. Mais je trouve qu'elle ne fait pas huile en fait. Elle laisse vos cheveux un peu secs après, alors que c'est pas du tout le but d'une huile. Elle nourrit bien vos cheveux, mais j'ai l'impression qu'elle les nourrit pas assez. Donc voilà, c'est peut-être moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Le petit flacon est comme ça. Et c'est pareil, ça n'alourdit pas les cheveux et les odeurs des deux sont vraiment parfaits. Donc voilà, ça me va très bien. Ensuite, je prends vraiment comme ça vient. Il y a vraiment un peu de tout. Donc c'est de la marque Timothée. J'avais acheté ça à comment ça s'appelle ce magasin-là? Stokomani. J'avais acheté ça à Stokomani, c'est parce que les masques j'achetais souvent de la marque Cycle Vital, donc Eugène Perma, et ils valent quand même très très cher. Donc je me suis dit je vais essayer de trouver quelque chose qui me convient et qui coûte un peu moins cher. Et du coup j'avais essayé celui de la marque Timothée. Et c'est pour les bruns intenses, donc c'est pour, je crois qu'il y avait pour les blondes, il y a plusieurs couleurs de cheveux. Donc je trouvais qu'il sentait bon, mais je trouvais que je crois que le blond il sentait meilleur. Et du coup en fait je me suis vraiment habituée à l'odeur et c'est vraiment un masque. Vous voyez, j'ai ça dedans. Alors il est assez liquide et il sent vraiment très 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 bon. Il reste sur vos cheveux. Et c'est un masque super bien. Il me rend les cheveux doux. Je vois que le lendemain, quand je les ai lavés, mes cheveux sont vraiment en bonne santé. Donc franchement, je vous le conseille. Je ne sais plus combien il a coûté, peut-être 3 euros. Donc franchement, foncez, n'hésitez pas parce que de toute façon, moi, je le rachèterai. Il est vraiment très 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 bien.
Et alors il est à quoi? Masque nourrissant. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il se rince, il faut laisser agir 2 minutes. Et je vois qu'il est vendu à Super U. Donc voilà, si vous voulez aller le chercher. Et en feuilles de henné et huile d'argan. Donc voilà. Et franchement, je le trouve très très bien. Je le fais une à deux fois par semaine. Et je vous le conseille vraiment parce qu'il est parfait. Pour l'instant, en tout cas, ça fait plusieurs mois que j'utilise et je le trouve vraiment très très bien. Ensuite, quelque chose que j'utilise depuis un moment, et c'est pour ça le but de ma vidéo, c'est de vous en parler, parce que j'ai l'impression que je vous en parlerai jamais sinon. Il est interminable ce truc, c'est de la marque Terre d'Oc. C'est à la grenade, il est bio, et c'est un sérum éclat pour les peaux dévitalisées. Donc c'est quelque chose que je me mets tous les soirs. Donc vous voyez, ça fait franchement, je sais pas combien de temps que je l'utilise, c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur. Ça part vraiment pas vite. Par contre, je crois que le prix était assez élevé, peut-être autour des 40 euros. Et c'est un cadeau que j'avais eu. Donc, vous voyez le cadeau qui dure. La bouteille est en verre. Et ce truc-là, je n'aimais pas l'odeur au début. J'aimais vraiment pas. Et maintenant, ça ne me dérange plus. Je trouve que c'est pas une crème lisse. Ça fait vraiment comme des petits grains à l'intérieur. Vous savez, comme les pommes. Ça me fait penser à ça. Mais vous sentez pas les grains. Je sais pas comment vous expliquer, la texture n'est pas lisse, je sens quand je me l'applique qu'c'est un petit peu granuleux, mais ça vous laisse pas de grains sur la peau, voilà, c'est ça. Et c'est un sérum vraiment très très bien, moi ma peau se porte très bien avec, j'ai jamais eu de boutons, donc voilà, c'est vrai qu'il coûte assez cher, mais je le trouve vraiment très très bien, et je vais peut-être réussir à vous montrer de quoi je vous parle pour les grains, non? Vous le voyez pas, je crois, là. Ça fait comme des petits grains aussi ici. Donc voilà. Mais il est vraiment très bien. Et pour l'instant, bah, enfin pour l'instant, j'arrive à la fin. Et franchement, il me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, celui-ci, je vous en avais déjà parlé. C'est de la marque Ruby Kisses. Ça vous fait penser à la base de fard à paupières de Urban Decay. Ce n'est pas ça, c'est la marque Ruby Kisses, mais je peux vous dire que vraiment, elle est vraiment très très bien. À la base, elle vaut 19 euros, donc à peu près pareil. Et là, j'en avais eu une pour 8 euros, il me semble. Donc ça valait vraiment le coup et elle est vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup, donc voilà. Elle ressemble à ça et à l'intérieur, c'est un petit pinceau comme ceci. Et elle est vraiment très très bien, elle me plaît. Et pour le prix, c'était parfait. Ensuite, alors cette crème, je l'ai utilisée plusieurs fois. C'est de la marque Oolution, donc c'était dans mes produits finis. J'ai fini l'anti-cerne. Et là, c'est la crème Glow Up, donc peau normale à mixte. Je l'utilise, donc là, c'est hydratation, prévention anti-âge, éclat anti-fatigue, détoxifiant, antioxydant. Donc cette crème qui est comme ceci. Quand vous la mettez, votre peau est vraiment très bien. Je n'ai rien à dire. Votre peau est lisse. Le soir, vous en mettez, votre peau est lisse. Elle est lissée, elle est vraiment très douce. Franchement, il n'y a aucun problème. Par contre, elle me fait des boutons. Et du coup, je ne sais pas comment l'utiliser parce que je ne veux plus en remettre sur ma peau. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Je me suis dit, bon, bah, c'est moi qui déconne un peu. Et voilà, je me dis que c'est ça qui me donne des boutons. Donc j'ai arrêté, j'ai recommencé. Et dès le lendemain, j'ai des boutons. Donc non, c'est vraiment elle. Dites-moi comment vous l'utilisez. Et ce que vous en pensez, si elle vous fait des boutons aussi. Parce que j'ai vu vraiment beaucoup d'avis positifs sur cette crème. Et du coup, moi, ça ne me convient pas. Ensuite, je vais passer à l'eau micellaire démaquillante. Donc de My Little Beauty, je n'avais plus d'eau micellaire, je ne savais pas comment faire et du coup dans mes tiroirs j'ai retrouvé celle-ci de My Little Beauty, donc elle date de pas très longtemps et elle me brûle les yeux. Elle me brûle vraiment vraiment les yeux. Donc c'est pareil, celle-ci, je sais pas comment je vais l'utiliser. J'ai un petit problème encore maintenant. J'ai un ulcère coronéen, donc un ulcère de la cornée à mon œil. Donc il faut vraiment que j'utilise des produits doux et pas des produits qui sont agressifs. Et celui-là, je vous jure, vous démaquillez avec ça. Vous avez les yeux qui brûlent, c'est une horreur. Moi ça vraiment, ça me brûle à m'en faire pleurer quoi. Donc, et pourtant je m'en mets pas dans les yeux, c'est vraiment autour. Et non, c'est vraiment pas possible. Cette eau micellaire-là, moi je peux plus l'utiliser parce que ben, j'ai pas envie d'abîmer encore plus mes yeux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez si elle vous brûle aussi. Ensuite,
J'ai un gommage, je suis désolée, j'ai l'impression que ça va durer une éternité, de la marque Être Belle. Donc ça fait un moment aussi celle-ci, je sais pas combien de temps exactement je l'ai, mais c'est un gommage pour la bouche en fait, pour les lèvres. Et je le trouve vraiment très très bien, la texture est sympa. Et voilà, j'ai trouvé ça bien dans une box. C'est des produits qu'on n'a pas souvent et moi ça me va tout à fait d'avoir ça. Ensuite, un parfum, un shampoing que j'ai mis encore aujourd'hui, je le mets tous les dimanches, je sais pas pourquoi, je pourrais pas le mettre tous les jours, c'est pas possible. C'est la marque Comptoir des Monoï. Donc les gens qui adorent le Monoï, foncez parce que ce truc-là sent. Moi je le mets aujourd'hui, demain je sentirai encore ce shampoing. Même après deux shampoings, je le sens encore sur mes cheveux alors que je mets un autre shampoing par-dessus. Donc si vraiment vous aimez le Monoï, n'hésitez surtout pas parce que ce truc-là est vraiment parfait, sans parabène. Donc vous avez les cheveux hyper doux, ils sentent le Monoï, mais vraiment très très fort. Si vous aimez ça, foncez quoi. Et ouais, il répare les cheveux, il est hydratant. Vraiment, j'aime beaucoup ce shampoing, mais c'est l'odeur, je peux pas en fait. L'odeur, c'est trop pour moi. Je peux pas mettre ce shampoing-là tous les jours, mais le week-end, je trouve que ça me fait un soin en plus du soin que je fais le dimanche. Donc voilà. Ensuite, quelque chose que j'avais acheté en Italie, c'est le Dove Go Fresh 48 heures au concombre. Voilà, qui se présente comme ceci et qui est en stick. J'avais entendu parler beaucoup de personnes disant que il était vraiment très très bien et je n'utilise pas de stick d'habitude. Donc bah, effectivement, il est très très bien. Je le trouve vraiment pas mal. Il se vend à Super U et je vous conseille vraiment ce produit-là. Donc ça fait pas mal de temps que j'utilise. Mais c'est pareil, pour le finir, il va falloir encore je ne sais pas combien de temps. Ensuite, c'est un gommage de la marque Leno que j'avais eu dans une box aussi et que j'utilise très souvent et qui sent très 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 bon la pomme. Je trouve qu'il est. Il sent le bébé en fait, ça sent vraiment la crème pour bébé. J'ai l'impression que. Ça sent le shampoing pour bébé, vous savez l'odeur que j'adore. J'adore, je trouve ce shampoing-là pour les bébés, ça donne envie de les manger. Donc là, il est vraiment. Cet exfoliant-là est vraiment pas mal. C'est un exfoliant gel. Et du coup, ça gomme votre peau tout en douceur. Je trouve qu'il manque quand même un peu de grain. Mais voilà, je trouve ça pas mal. Ça dépend sur quelle zone vous voulez l'utiliser. Si vous voulez vraiment quelque chose qui décape, c'est même pas la peine d'utiliser ça. C'est vraiment quelque chose de doux quand même. Mais l'odeur est à tomber. Franchement, il est vraiment très très bien. Ensuite, ça va être les derniers produits. Je vais regarder les petits que j'ai. Alors, j'ai le petit baume, le petit œuf là de Sephora qui fait rouge à lèvres un peu. Et celui-ci sent le coca. Donc la pigmentation, comme vous pouvez le voir, normalement c'est un baume pour les lèvres. Je trouve qu'il hydrate pas forcément bien. Mais je trouve ça sympa le matin. Moi, avant de partir au boulot, c'est ce que je mets en ce moment. En plus, il sent bon. Il n'a pas un goût chimique, ça c'est pas mal. Mais il sent vraiment très très bon. Il est teinté et je trouve ça vraiment pas mal pour aller au boulot, n'importe où. Voilà, ça fait pas trop et ça fait pas trop foncé et ça hydrate un peu. Je dis bien un peu parce que c'est pas quelque chose qui est hydratant vraiment quoi. Ensuite, j'ai la crème pour les yeux It's Potent de chez Benefit. Donc celle-ci, elle est vraiment bien, elle est vraiment bien le contour de l'œil. Ça fait que quelques jours que j'utilise. Donc voilà, le petit pot il est comme ça, mais pour un contour de l'œil, je trouve ça vraiment pas mal. J'ai pas vu pour l'instant mes cernes s'atténuer. Donc on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai certainement dans les produits finis parce que il va me durer un petit temps, mais certainement pas non plus des mois et des mois. Donc voilà, mais il est quand même bien, il est agréable à appliquer, il a une bonne odeur, donc voilà, il me plaît pour l'instant. Et ensuite, les deux derniers petits produits que je vais vous présenter, c'est une eau micellaire physiologique visage et yeux de chez Mixa. Donc elle est comme ceci et c'est pour les peaux sèches très sensibles et réactives. Donc elle est comme ceci, je sais qu'il y en a une qui est rose, il me semble. Et voilà, celle-ci je la trouve vraiment bien. La Bioderma, c'est ma préférée. Je pense que celle-ci arriverait juste après parce que elle est vraiment quand même pas mal. Elle me plaît beaucoup et voilà, elle est sans parfum, mais bon, je préfère qu'elle soit sans parfum, sans alcool, sans parabène.
Donc elle est en grand format de 400 ml et je la trouve vraiment pas mal. Elle m'abîme pas les yeux, voilà, ça fait un peu comme de l'eau et c'est ce que je recherche. Et franchement, elle est vraiment pas mal. Donc voilà, pour l'instant, ce que j'en pense. Et ensuite, j'ai acheté un démaquillant, un tonique Caresse Confort Suprême de la marque L'Oréal. Donc c'est un nouveau produit pour peau sèche et sensible. Donc elle est comme ceci. Et par contre, la texture, c'est pas une texture eau, c'est une texture huile un petit peu, je trouve. Alors, c'est bizarre parce que sur le coton, vous savez, la texture eau va rentrer directement dans le coton. Celle-ci ne va pas rentrer directement dans le coton, elle va vous faire comme si c'était de l'huile en fait. Une espèce de petite couche qui rentre tout petit à petit, mais pas non plus en une minute. Je dirais en 5 secondes, elle rentre dans le coton, mais vous voyez que c'est un peu plus épais que de l'eau quoi. Donc, je me suis dit au départ, mince. J'aime pas du tout les huiles pour mettre par-dessus pour un tonique sur tout mon visage. Je déteste ça. Et en fait, pas du tout. Ça vous fait une texture comme de l'eau. Vous n'avez pas de quelque chose de gras sur votre visage. Ça rentre parfaitement dans la peau. Et ça n'a pas ce truc chimique, ce goût-là que je déteste. Et je la trouve vraiment pas mal. En plus, elle sent vraiment très très bon. Je dirais qu'elle a une petite odeur de pomme. Je la trouve vraiment pas mal. Et le prix, je crois qu'elle était autour des 3 euros et quelques. Je trouvais ça raisonnable comparé aux autres. Mais vous voyez, on voit là que ça fait une petite texture un peu plus épaisse en fait. Donc voilà, je la trouve vraiment pas mal. Ça fait que quelques jours que j'utilise, mais elle me plaît pour l'instant. Donc on verra plus tard. Elle est sans alcool et elle est hypoallergénique et ma peau ne m'a rien fait pour l'instant. J'ai pas eu de bouton. Donc voilà, je vous la conseille pour celle-ci. Donc c'est fini pour cette vidéo. Je pense que je vous ai tout mis mes produits. Au pire, de toute façon, j'essaierai d'en faire régulièrement parce qu'il y a des produits que je teste de temps en temps. Donc voilà, dites-moi si ce genre de vidéo-là vous plaît ou pas, parce que sinon ça sert à rien que je continue ce genre de vidéo si ça vous plaît pas. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à très très vite. Salut!